livre que je porte depuis très très longtemps en moi, depuis mes études universitaires jusqu'à la soutenance de ma thèse. Et ce livre, il fallait que je l'écrive. C'était une question de santé mentale, parce que peut-être que j'aurais été déclarée définitivement folle, mais je l'avais en moi et ça m'a pris une quinzaine d'années et 2 ans d'écriture. Comment se met-on dans la peau d'un écrivain infréquentable? D'abord parce qu'on l'aime et qu'on n'a pas d'autre choix. C'est un écrivain qui m'a tout donné, qui m'a donné énormément d'émotions, qui m'a énormément intimidée. Et ce qu'il m'a dit à l'oreille, j'avais envie de le dire aux autres, généreusement et peut-être de façon prétentieuse, mais j'avais cette envie. Vous savez, dans la vie, quand on est passionné, on devient bête, on devient obsessionnel. Et puis, heureusement pour moi, j'ai trouvé une éditrice qui a eu le courage de m'éditer et je suis ravie de ce qui m'arrive. Je pense que quand on finit une vie, quand on est en train de mourir, on a peut-être cette vérité vis-à-vis de soi-même. Et c'était pour moi l'occasion de revisiter tous les épisodes de sa vie et de montrer un homme peut-être plus vulnérable, plus souffrant, donc plus en face de lui-même. Je dois dire, c'est peut-être une incompétence que j'ai de vision, de regard. Je n'arrive pas à trouver la même émotion chez un autre écrivain. Alors bien sûr, il y a les classiques qui me parlent, il y a Flaubert pour moi qui est un autre de mes chouchous, mais je reste très obsessionnelle. Mais je vous promets d'essayer de me soigner.